Bonjour chers apprenants, je suis M. Samba Jean-Eude, enseignant d'histoire de géographie au secondaire. Le cours d'aujourd'hui est un cours de géographie portant sur les solutions aux problèmes de l'économie congolaise. Donc ce cours est réservé pour les apprenants de la classe de terminale. Bien, comme vous le savez, que l'économie congolaise, notamment ses différentes activités, sont confrontées à plusieurs problèmes. Lorsque nous avons vu l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'organisation de l'exploitation forestière, les activités industrielles, les échanges commerciaux, les voies de communication, le tourisme, donc toutes ces activités sont confrontées à plusieurs problèmes. Mais ces problèmes, aujourd'hui, nous allons chercher à trouver des solutions. Mais qu'est-ce qu'on entend par solution Qu'appelle-t-on solution Parce que lorsqu'il y a problème, ce qui signifie qu'il faut chercher à trouver des solutions. Donc les solutions, c'est quoi Les solutions, ce sont les différentes réponses, les différents remèdes à apporter, n'est-ce pas aux différents secteurs de l'économie que nous venons de citer. Parce que ces activités, lorsque nous avons étudié, nous avons vu dans la deuxième grande partie les problèmes qui leur minent. Donc ce sont les solutions proposées à ces problèmes que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, pour aller dans le vif du sujet, nous allons dire que les solutions sont donc des remèdes des réponses apportées aux différents problèmes de l'économie congolaise. Mais ces solutions, nous allons les étudier, nous allons les voir, nous allons les analyser sous deux angles. D'un côté, nous verrons les solutions proposées par les institutions internationales et de l'autre, nous allons voir les solutions, n'est-ce pas, proposées par les pouvoirs publics, donc au niveau local. Donc ce sont ces deux volets que nous allons voir maintenant. Donc d'une part, les solutions proposées par les institutions internationales et de l'autre, les solutions proposées au niveau local par les pouvoirs publics. Donc passons directement sur les solutions. Donc la première partie, les solutions. les solutions proposées les solutions proposées par les institutions internationales Donc, face aux multiples problèmes auxquels fait face l'économie congolaise, quels sont les remèdes, quelles sont les réponses que les institutions internationales nous proposent? Donc, c'est sont ces solutions que nous allons voir. Mais ici, les institutions internationales proposent comme solution, comme remède aux problèmes de l'économie congolaise, n'est-ce pas, la mise en place des programmes d'ajustement structurel, donc les programmes d'ajustement structurel qu'on appelle on a abrégé les passes. Et autre solution proposée par les institutions internationales, c'est la libéralisation de l'économie. La libéralisation de l'économie. Voilà les deux solutions proposées par les institutions internationales. Donc, d'un côté, la mise en place des programmes d'ajustement structurel et, de l'autre, la libéralisation de l'économie. Mais qu'est-ce qu'on entend par programme d'ajustement structurel Donc, nous allons commencer par là. Donc, en petit terme, nous allons mettre... Les programmes d'ajustement structurel. Les programmes d'ajustement structurel. Programme d'ajustement structurel. Qu'est-ce qu'un programme d'ajustement structurel? Qu'est-ce qu'on entend par programme d'ajustement structurel? Donc ici, nous allons dire que le programme d'ajustement structurel est un ensemble de mesures visant à redresser la gestion économique et financière d'un pays. Et à ce sujet, au Congo, n'est-ce pas? Plusieurs programmes d'ajustement structurel ont été mis en place. Donc, les programmes ci-après, les programmes ci-après ont été, n'est-ce pas, mis en œuvre au Congo. À commencer par, donc, à commencer par le programme d'ajustement Structurel, lui-même, le programme d'ajustement structurel, le PASS, qui a été mis en place au Congo entre 1985, entre 1985 et 1988. Donc, nous avons. Le PAS, mise en œuvre, n'est-ce pas, au Congo de 1985 à 1988. Après le PAS, vient le programme d'ajustement structurel renforcé. Le programme... Le programme... L'ajustement structurel, le, le programme d'ajustement structurel renforcé. Donc c'est le passé. Le programme d'ajustement structurel renforcé en 1900. 92 donc cette mesure cette n'est-ce pas réponse au problème économique congolais a été mise en œuvre en 1992 après le passé donc le programme d'ajustement structurel renforcé nous avons le PARESCO. Le paresco, donc le programme programme, n'est-ce pas? D'action programme d'action et de relance. Paresco programme d'action. Et de relance économique, économique et sociales. Donc on a brigé par RESCO. Ce programme donc a été mis en œuvre en 1993. En 1993, donc un plan de relance économique et sociale a été mis en place, donc c'est le PARESCO. Après le PARESCO, nous avons un autre programme d'ajustement structurel, donc la FACER. La facer, La facère, la facère. Bon, comme elle est mise pour les autres, donc on commence. La facilité. facer, Donc la facilité d'ajustement. Facilité. Ajustement structurel structurel renforcé. Donc fa On abri. Donc, la facer, la facilité, n'est-ce pas, d'ajustement structurel renforcé de 1996 à 1997. Après, la facilité d'ajustement structurel renforcée, une autre mesure a été prise pour remédier aux problème de l'économie congolaise. C'est le PRPC, donc le programme. le programme de programme de relance le programme de relance non, de réduction, excusez-moi programme de réduction programme de réduction programme de réduction, programme de réduction de la pauvreté au programme de réduction. De la pauvreté et de la croissance. Et de la croissance. Et de la croissance. Donc, on a Brigitte. PRPC, Programme de réduction de la pauvreté et de la croissance. Cette mesure, cette solution, ce remède a été, n'est-ce pas, mise en place de 2005 à 2007. Et c'est ce programme, donc le PRPC, le programme de réduction de la pauvreté et de la croissance, qui a permis au Congo de bénéficier, n'est-ce pas, de l'annulation de 90% de la dette du pays en tant que pays pauvre très endetté. Donc en, 1900, en 2000, plutôt, 10. Donc, le Congo bénéficie, grâce à ce programme de réduction de la pauvreté et de la croissance, n'est-ce pas, le bénéfice de pays pauvres très endettés. Bien, donc, dans ce programme de pays pauvres très endettés, pays pauvres très endettés, donc, le Congo a bénéficié de la réduction ou bien de l'annulation de sa dette de 90%. Après, donc, le programme de réduction de la pauvreté et de la croissance, le Congo, plutôt les institutions internationales, ont proposé, n'est-ce pas, une autre solution, n'est-ce pas, pour résoudre les problèmes du Congo. Et ce programme, c'est le programme. Le programme national le programme national de développement programme national de développement donc le PND le PND mis en place depuis 2019 Jusqu'à nos jours, donc de 2019 à nos jours, donc jusqu'à aujourd'hui, les institutions internationales ont proposé au Congo la mise en place du programme national de développement. Voilà. Donc... Les programmes d'ajustement structurel proposés par les institutions internationales. Mais en dehors des programmes d'ajustement structurel, les institutions internationales ont aussi proposé au Congo pour faire face aux multiples problèmes de son économie, n'est-ce pas? La libéralisation de l'économie. Donc, c'est la deuxième solution proposée par les institutions internationales. Donc, la libéralisation La libéralisation La libération La libéralisation La libéralisation De l'économie Donc c'est la deuxième solution proposé par les institutions internationales au Congo. Bien. Qu'est-ce qu'on entend par libéralisation de l'économie? Bien. Donc, que vise cette solution, ce remède? C'est ça que nous allons voir le temps de mettre un coup de chiffon sur le passer ou bien le passe, le programme d'ajustement structurel. Après les programmes d'ajustement structurel les institutions internationales ont proposé au Congo une autre solution face aux multiples problèmes, n'est-ce pas, de son économie. C'est ainsi que nous avons la libéralisation de l'économie. Mais qu'est-ce qu'on entend par libéralisation de l'économie? Comme vous le savez, nous sommes dans un processus de mondialisation. Et dans ce processus, les institutions internationales ont demandé aux différents pays de libéraliser leur économie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ce processus, l'État doit se désengager de la gestion des entreprises. Et par ce processus, on aboutit soit à la privatisation des entreprises, soit à la signature, n'est-ce pas, d'un accord ou de partenariat. Entre l'État et le privé. Voilà ce que nous entendons par libéralisation de l'économie. Donc ici, l'État se désengage de la gestion de certaines bon, des entreprises au profit du privé ou du partenariat à État avec le privé. Voilà les solutions donc proposées par les institutions internationales. Nous en avons. Identifié deux. D'une part, les programmes d'ajustement structurel et d'autre part, la libéralisation de l'économie. Mais en dehors des solutions proposées par les institutions internationales, au niveau local, les pouvoirs publics ont aussi proposé des solutions. Donc, nous passons maintenant aux solutions proposées par les pouvoirs locaux. Donc en grande deux, <coughs> excusez, en grande deux donc nous avons les solutions locales. Les solutions locales. Quelles sont donc les solutions que les pouvoirs publics ont proposées? Pour faire face aux multiples problèmes de l'économie du pays. <coughs> Excusez-moi. Ces solutions sont, bon, on peut citer trois. Les solutions sont, d'abord, l'incitation à l'esprit d'initiative. D'incitation à l'esprit d'initiative, ou bien d'initiative, bon, l'initiative, c'est pour créer les entreprises. Hein. Initiative, ou bien d'entreprise, comme vous voulez. Autre solution proposée par les plutôt les pouvoirs publics, nous avons également la création. La création des zones économiques, la création des zones économiques spéciales. Donc, on abrégé ZES. La création des zones économiques spéciales. Et troisième solution proposée par les pouvoirs publics, c'est l'appel aux entreprises étrangères. L'appel aux entreprises étrangères. Voilà les trois solutions identifiée proposé par les pouvoirs publics, mais qu'est-ce qu'on appelle incitation à l'esprit d'entreprise. C'est la première solution proposée par les pouvoirs publics au problème, n'est-ce pas, de l'économie congolaise. Donc en petit temps, hein, nous avons l'incitation, l'incitation à l'esprit d'entreprise. L'incitation à l'esprit d'entreprise. Qu'est-ce que nous entendons par là Qu'est-ce que l'incitation à l'esprit d'entreprise Donc, ici, nous allons dire que l'incitation à l'esprit d'entreprise consiste à encourager les investisseurs nationaux à promouvoir, n'est-ce pas, les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Donc ici, l'État incite les investisseurs à promouvoir, donc à développer les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Voilà ce que nous entendons par l'incitation à l'esprit d'entreprise. Quant, quant à la deuxième solution, au deuxième remède, proposé par les pouvoirs publics pour faire face aux problèmes de l'économie congolaise, donc la création des zones économiques spéciales, la création des zones économiques. Ici, nous allons dire que la création des zones économiques spéciales, ici, nous allons dire que les zones économiques spéciales permettent d'attirer les investisseurs étrangers pour stimuler la croissance économique c'est le cas de la zone économique spéciale de maloukou très chaud de Maluku très chaud. à 74 km de brazzaville dans le district d'Igné, n'est-ce pas, ou, n'est-ce pas, l'État a construit un complexe de 16 usines par branche d'activité, ceci pour attirer les investisseurs étrangers pour stimuler la croissance économique. En dehors de Maluku d'autres projets, n'est-ce pas, sont en phase d'études de faisabilité à pointe noire à Oyo, Olombo et à Wesso Pokola. Donc, ces projets sont financés par, n'est-ce pas, des capitaux nationaux et chinois. Bien. Donc voilà ce que nous pouvons retenir sur la création des zones économiques spéciales. Dernière solution local donc proposé par les pouvoirs publics à la résolution des problèmes de l'économie congolaise c'est n'est ce pas l'appel aux entreprises étrangères l'appel aux entreprises appel aux entreprises étrangères. L'appel aux entreprises étrangères. Et ici, dans cette solution, il s'agit, n'est-ce pas, de favoriser les investissements directs à l'étranger. Qui vont investir -ce pas, dans différents secteurs d'activité tels que l'agriculture, les mines, le tourisme, etc. Donc, <coughs> ce qui va aboutir à la création des entreprises, favorisant ainsi la création d'emplois ou la réduction du chômage. <coughs> Excusez-moi. Et cela va également permettre l'entrée des devises dans le pays, car ces entreprises ainsi créées vont payer des taxes, des impôts qui permettront à l'État, n'est-ce pas, d'accumuler des devises. Donc, à cela, à cela s'ajoute le rachat ou la privatisation des entreprises existantes. Bien, donc, vous voyez que ici, et là, nous rejoignons presque l'une des conséquences de la mondialisation de l'économie, parce que nous sommes dans le cadre de la mondialisation de l'économie. Donc, le pays doit s'ouvrir à l'étranger pour, pour développer, n'est-ce pas, l'économie. Voilà donc les solutions locales donc, proposées par les pouvoirs publics, il y a l'incitation à l'esprit d'entreprise, la création des zones économiques spéciales et l'appel aux entreprises étrangères. Voilà donc ici les solutions proposées par les institutions internationales, donc le programme d'ajustement structurel et la libéralisation de l'économie et là les solutions locales proposées par les pouvoirs Public, donc l'incitation à l'esprit d'entreprise, la création des zones économiques spéciales et l'appel aux entreprises étrangères. Voilà, chers apprenants, nous disons pour conclure que l'économie congolaise connaît de multiples problèmes, nous les avons vus, et pour remédier à ces problèmes, donc des solutions ont été proposés par les institutions internationales et les pouvoirs publics. Donc, c'est par là que nous allons nous séparer aujourd'hui. Donc, à nous revoir au prochain cours.